أشهد أن محمد رسول الله. Louange à Dieu, Maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Dieu. Allah est avec ceux qui le craignent. Dans deux précédents sermons, nous avons parlé des éléments qui révèlent une authentique sincérité dans le culte rendu à Dieu seul. La crainte de la notoriété, la crainte de ne pas voir ses propres œuvres acceptées tout en éprouvant le sentiment de sa propre négligence par rapport à ses obligations vis-à-vis de Dieu. Le fait de n'éprouver aucune sorte d'admiration pour soi-même, le fait de préférer l'action menée en silence plutôt que celle qui s'accomplit dans le bruit, le fait de considérer que l'essentiel est de remplir honnêtement sa fonction sans vouloir occuper les premiers rangs. Il existe, mes frères et sœurs en islam, encore d'autres signes de la sincérité. C'est cinquièmement voir l'adorateur ne pas se soucier de l'agrément des hommes lorsque celui-ci ne peut être obtenu qu'au prix de la colère de Dieu, exalté soit-il. Les hommes sont en effet bien différents quant à leur tempérament, leur goût, leur manière de penser, leur penchant et leur but. Vouloir tous les contenter est un objectif qui ne peut être atteint. Le croyant sincère s'est débarrassé du poids que représente la volonté de vouloir satisfaire ainsi l'ensemble de son entourage. Pour cet homme de foi, l'essentiel est de renforcer son lien avec Dieu en recherchant son agrément en toutes choses, quand bien même cela devrait entraîner la colère et la réprobation d'autrui. Sixièmement, un autre signe de sincérité, c'est que l'amour de l'adorateur, comme son aversion, comme son agrément, comme sa colère, comme ce qu'il donne et ce qu'il ne donne pas, tout cela est motivé par le lien qu'il a avec Dieu et par sa foi, et non pas par l'intérêt qu'il y trouve pour lui-même. Il ne fait pas partie des opportunistes parmi les hypocrites que Dieu a blâmés dans son livre, disant en parlant d'eux, « Il en est parmi eux qui te critiquent au sujet des aumônes. S'il leur en est donné, les voilà contents. Mais s'il ne leur en est pas donné, les voilà pleins de rancœur. » Tu observes ainsi que parmi les musulmans engagés, il y a celui qui, si quelqu'un le touche par une parole blessante ou heurte ses sentiments en adoptant une attitude qui lui nuit ou nuit à l'un de ses proches, se met rapidement en colère et est pris d'une grande tristesse au point qu'il abandonne toute action et tout mouvement en finissant par s'écarter et abandonner son engagement. Cependant, le fait de viser un objectif avec sincérité suppose au contraire que le croyant reste fermement attaché à sa mission et qu'il se tienne avec constance dans l'orientation qu'il doit suivre, quelles que soient les erreurs commises à son encontre ou les négligences ou les excès qu'il subit. Cela parce qu'il agit pour Dieu et non pas pour lui-même ou pour ses proches, ni pour telle ou telle personne. La mission qui consiste à s'engager pour Dieu n'est pas le monopole d'un individu, ni sa propriété. Cette mission concerne l'ensemble des croyants. Il n'est pas permis pour un homme qui en est convaincu de l'abandonner à cause de la position d'un tel ou du comportement de tel autre. Septièmement, observant que la route est longue, que les fruits de son action mettent du temps à mûrir, et que les activités menées avec des hommes qui ont des goûts et des penchants différents comprennent des difficultés, il n'en vient pas à se complaire dans la paresse, le relâchement et la fuite. Il n'agit pas seulement pour la réussite ou pour la victoire, mais avant toute chose et après toute chose pour obtenir l'agrément de Dieu et pour se conformer à son commandement. Dieu ne demandera pas aux gens dans l'au-delà « Pourquoi n'avez-vous pas remporté la victoire ?» Mais il leur demandera « Pourquoi n'avez-vous pas lutté ?» Il ne leur demandera pas « Pourquoi n'avez-vous pas réussi ?» Mais il leur demandera « Pourquoi n'avez-vous pas agi ?»
Huitièmement, tu verras le croyant sincère se réjouir de voir une personne compétente se distinguer dans les rangs de ceux qui agissent, afin qu'elle reprenne le flambeau et apporte sa contribution à l'action du groupe. Il permet à chaque personne disposant de capacités de don de prendre la place qui lui convient, et il se réjouit de mettre chacun en valeur. Il recule même pour lui laisser sa place, sans objection et sans éprouver de gêne, sans mépris et sans inquiétude. Au contraire, on observe que l'homme sincère, s'il trouve quelqu'un qui est meilleur que lui pour prendre une responsabilité, recule en étant entièrement satisfait et le met en avant dans la plus grande obéissance. Il est heureux de faire un pas en arrière. Tels sont, mes frères et sœurs en islam, d'autres signes de la sincérité qui viennent s'ajouter à ceux que nous avons énumérés précédemment. Le croyant sincère fait passer l'agrément de Dieu avant toute chose, même si cela entraîne la colère des hommes. Il n'évalue pas les choses de la vie et ne se lie pas aux autres selon son seul intérêt, mais en fonction de son amour pour Dieu. Il n'abandonne jamais son engagement, quelles que soient les nuisances qui viennent de son entourage, parce qu'il agit sincèrement pour Dieu. Il ne se met pas en œuvre pour obtenir tout de suite des résultats et la victoire, mais il adore le Dieu qui donne la victoire et qui lui ordonne de se mettre en chemin. Il se réjouit des compétences qu'il trouve chez les musulmans engagés et les met en avant, même si cela doit le conduire à céder sa place et sa responsabilité à autrui. Autant de signes, mes frères et sœurs en islam, qui nous permettent de comprendre que le succès et la pérennité de notre engagement dépendent entièrement de notre sincérité, sans laquelle nous n'obtiendrons aucun fruit. El-Junaïd a dit « La sincérité est un secret entre Dieu et son serviteur. Nul ange ne le connaît de sorte qu'il l'écrive. Nul diable ne le connaît de sorte qu'il le corrompe. Et nulle passion n'a d'emprise sur ce secret, de sorte qu'elle l'entraîne hors du droit chemin. La sincérité est un secret entre Dieu et son serviteur. »